Ah merde, fais chier. Yo les gars, Objectif R2, épisode 8. 8. Ouais. Ah merde. Ah merde. Alors du coup, on se retrouve à, genre assez longtemps après, il n'y a pas eu d'épisode R2. Oh, ouais, et on a perdu. Et ils ont perdu encore une fois. Des... Attends, je fais la transition, bouge pas. Allez go, en route. Ouais, ils sont beaux en vrai. Épisode 8. T'es rentré à quelle heure hier? 6h. Mais j'étais pas bourré. Voilà. Il est rentré à 6h, il était pas bourré hier parce qu'aujourd'hui c'est quand même un match important. Un match important pour la première place. Parce que c'est pour aller chercher la première place et... On est en train de les avoir. Grâce et à l'arbitrage, on va avoir tout le monde, les gars. Non, mais si c'est mal expliqué, les gens ils peuvent penser que c'est bizarre un peu. Non, on n'a pas. Grâce au point de l'arbitrage. Oui, c'est un petit point bonus qu'ils nous ont donné. Et si c'est premier, ça joue le quart. Et si ça gagne le quart, au demi à domicile. Ouais. Du coup, on arrive dans le gymnase. Et là, on va faire un gros caca. On va faire un gros caca. Et pendant ce temps, je vais vous parler du match. Avec ça va tuer les chiottes. Ça va tuer les chiottes à deux. Allez, je fais un truc. Ouais. Ma tête. Voilà, oh, ça me va. Tu sais, je lance un nouveau concept dans les vlogs. C'est les chez vous. interview caca. T'en penses quoi de ta saison, toi? Ça serait énorme. Le match, il est important parce que s'ils gagnent, ils sont premiers. Mais qui dit premier? De toutes les poules confondues. Et du coup, dit demi et quart à domicile. Et, pour ouais, et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est l'affaire. Parce que vu que les U20, ils vont pas le faire eux. Merci Lucas Dumont. Lucas Dumont, c'est directement. Merci Lucas Dumont, c'est ça. Ta gueule. Boularman. Le gars vit pour les caméras. Mmh. Ouais. Mmh. Putain, je te jure. Ah, je m'en souviens comme si c'était honnête. Parce que. Incroyable. Bah oui, bah Tipeee de long. Ah oui. Ah oui. C'est les cons ou quoi? Suivez-nous. Allez, suivez-nous. En inside. Transi. Suivez-moi pour la transition. Est-ce que des tristes ce soit le dernier épisode de Objectif R2? Hein? Dernier épisode d'Objectif R2, c'est un peu triste. Ouais, ouais. C'est le dernier épisode. C'est en soi Objectif R2 qui s'arrête, mais pas. Ouais. Mais après, gueule. Laisse-moi faire mon petit message de. C'est quand même émouvant. Hein, c'est pas Objectif R2 qui s'arrête. Hey, on parle à la caméra. Ah, c'est justement, c'est Objectif R2 qui s'arrête. Je vais le faire. Qui disent que t'es un lapin poilu après. Non, je suis un mammouth. Un mammouth. Il fait ça tous les matins à 6h. Il se lève, ouais, voilà. Il se lève à 4h. Et puis avant, tu vas courir pendant 10 km. Ouais. 40 km, c'est pour se chauffer. Hein. Ouais, logique. Et il prend 3 œufs crus le matin. D'accord, donc il faut s'appliquer.
On est déjà pas trop armé à l'intérieur, mais aujourd'hui on va avoir que ton swing. Automatiquement, on sort du plus modifié application, bah là ça va être ça va prendre complètement tout. Ça veut dire que tout le monde va être sollicité à des postes qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Ok? Ou des postes qu'on a joué très peu de fois, mais je pense à Simon là qui sait déjà qu'il va jouer un peu poste 5, mais Sous et Marius qui sont pas des intérieurs, on va jouer intérieur. Et automatiquement, tous les autres, ça décale, ça fait des postes 2, des postes 3, on n'est pas forcément habitué à jouer. Ok? Donc ça, on est concentré là-dessus, et puis surtout, vous voyez, c'est des mauvais souvenirs ici. Donc si on peut avoir enfin un bon souvenir ici, on le fait. Ok, donc à fond, et 40 minutes, donc, pendant 40 minutes, quoi qu'il se passe, c'est important pour la suite. Ok, allez, un match pour la confiance pour la suite. Hein. On sait que c'est un match pas clair, ils vont tout donner, ils vont prendre comme des siens, ils vont traverser comme des siens. Nous, on doit répondre. C'est un match qui va nous donner confiance pour les autres matchs suivants. Ok, ça dit que c'est tout. Blanc et rouge, Bastien. Allez, blanc et rouge. Putain, mais quelle idée de foutre là, c'est partir les bouteilles. Et au rebond des écrans et prendre retard pour pouvoir courir derrière. Blanc et rouge, let's go. Blanc. Allez. C'est ça, gros. Allez, c'est une signe. Je ressors. Oui. Moins de 60 points marqués sur les 9 derniers matchs. Ça arrive. Ceux qui sont pas forts en maths, là ils sont partis pour en marquer 80. 88 même. Ok, donc nous on a un gros problème sur défense. Hein. On ne fait pas les 9 forts, ils ont des points. On va tout tard. Non, mais c'est ça que je veux dire. Écran petit, on change. Quand il y a un écran avec le grand, hop, on sort à deux ou pas, ou on laisse passer, c'est toi qui choisis, ok? Mais on se parle, juste ça. Puis après, tire! Écran de retard, rebond! D'accord? On n'a pas fini une seule contre-attaque, ils sont 10 fois plus lourds que nous. Ok, donc rebond, sortie de balle, puis après, là, au moins sur le terrain, il y a au moins 3 joueurs, voire 4 joueurs qui sont capables de monter la balle à 200 à l'heure. Ok, donc il faut le faire. Faut pousser là. Faut pousser. Ok, tonton, sur pouce là, après ton écran là, une attaque sur deux, pratiquement, il faut que tu aies une fin de tir pour pouvoir prendre le tir. Ok,
Ok, sinon le grand il va défendre là. Toute la soirée. Ok, donc là, hop, prochain écran, tu sors là, t'es dans le rythme, t'as posé bien tes appuis, t'as reçu le ballon correctement, tu tires. Quitte à prendre un dribble, te rapprocher d'un mètre et prendre deux tirs avec 2 mètres. Ok. Comme t'es capable de faire l'échauffement, là, toi tu prends tout le tir, c'est bon. Allez, allez, chercher les joueurs sans se faire passer sur la contre-main. On va aller chercher, on montre qu'on est là, présent, ok? Allez! Paula! En attaque, on a besoin de retrouver du jeu. Ok, le ballon il vibre, top. Le pouce, jack, 5, comme vous voulez. Mais il faut que le ballon il bouge. Il bouge. Dès qu'il est cristallisé dans une main et qu'on attend un pic ou un truc comme ça, ça, va, ça c'est juste sur une fin de possession. Sinon, le reste du temps, il faut que le ballon il vibre et qu'on attaque rapidement le panier, qu'on fasse le tir, hop, et tout ça, mais dans la continuité du jeu. Allez, Paula. Allez, on est revenu. Je t'explique. Allez. Ça va être la miniature. Bon, on perd le premier carton d'un point, on perd le deuxième carton d'un point. Donc moins deux, allez. Au niveau des fautes, Soutsou, Simon et Thibaut à 2 fautes. On arrête tous. Tous, ça ne nous donne aucune solution. On n'a pas Coco là, qui prend les tirs à 3 points dans le rythme, donc ça ne sert à rien. Et si, okay. Si on met Maxence au début ici, qui pose un écran. On peut, mais il faut qu'on joue à l'opposé de Maxence. Ouais, c'est ça. Okay, on peut annoncer le pouce, mais à l'opposé de Maxence. Après, pour avoir. De l'autre côté. Par contre, il est indispensable, mais on le répète hein, depuis le départ de la saison, que là, on lâche le ballon, que ça soit sur pouce ou sur jack d'ailleurs, que ici, on ait de l'agressivité. Ok, une attitude pour y aller. On voit là, ils jettent en défense sur le démarquage, ils se jettent. Donc ils ont un temps de retard. Donc quand on réceptionne la balle, hop, on doit pouvoir attaquer là. L'espace est libre. Il faut le faire. Quitte à ce que vous venez de tourner autour de Maxence ou de l'autre joueur intérieur, comme sur tête, vous utilisiez l'écran là, pour vous démarquer, pour pouvoir avoir un tour d'un. Après, on peut annoncer tête et puis on peut faire aussi. La variante sur tête, là, c'est-à-dire que hop, il y a les deux écrans en bas, on sort sur un île. On donne, et lui, il enchaîne tout de suite ici, là, l'écran. Ok, on utilise l'écran, on vient mettre un écran dans le dos, hop, on a la relation ici. Il faut l'annoncer, okay. Il faut annoncer variante. C'est bon pour tout le monde, ça? Ouais. Allez, et globalement, c'est défensivement qu'il faut qu'on soit un petit peu plus agressif, qu'on soit. Un petit peu plus au rebond, un petit peu plus, il faut qu'on fasse tous un petit peu plus d'efforts. Ok, c'est plus grand, c'est plus costaud. Hop, ça tire une fois, ça a le rebond, ça remet dedans. Et défensivement, on a du mal à tenir les 1 contre 1, globalement. Donc, hop, un petit peu plus d'efforts pour tenir les 1 contre 1, un petit peu plus d'efforts sur les écrans de retard, et hop, deux joueurs, au moins deux blancs là, hop, pour aller capter le ballon au rebond. Faut tous faire plus d'efforts, automatiquement. On est dans le dur là. Regardez, ils sont à 42 points marqués. Si on veut gagner le match, il va falloir qu'on réduise. Hein. On ne gagnera pas le match s'il marque plus de 65 points. Hein. On ne gagnera pas.
Ça voudra dire qu'ils seront restés sur leur panier, sur l'euphorie, sur un rythme qui n'est pas leur en plus. Hein. Je l'ai dit, ils marquent 60 points de moyenne. C'est la deuxième phase. Donc là, ils ne sont pas sur leur rythme de fin de saison, hein, sur la deuxième phase. Ok, donc nous, il faut qu'on mette un rythme, hop, un cran au-dessus, défensivement, un peu plus d'agressivité. Offensivement, un petit peu plus de rythme, un petit peu plus d'agressivité. Hop, faire vivre le ballon un petit peu plus et un petit peu plus vite. Dès qu'on a fait vivre le ballon, hop, on a eu des tirs, on a eu des choses intéressantes. Dès l'instant qu'on est en train de dribbloter, un dribble, deux dribbles, hésiter, machin, terminé. Ok, donc tout le monde un petit peu plus. D'accord ? Allez ! Allez, allez les chercher les joueurs. Les jambes, hop, la tête, et on va aller le chercher. Ça. Allez, blanc et rouge, let's go ! Wow, wow. Ligne de fond, ok, il faut qu'on communique beaucoup plus. Tout ce qui se passe sur le terrain là, il faut qu'on l'annonce. Qu'on l'annonce pour les copains là. Ok, s'il y a une montée au passe, Thibaut, au passe. Voilà. Tout ça on doit le communiquer. Ok. Let's go! Let's go! J'ai dormi 4 heures. Elle est devant, les blancs! Ah ouais? Elle est devant, elle la prend pas. Fait sa célébration, il a plus les avec les balles de la. C'est vraiment un Blairman ce mec. J'adore l'ambiance. Oh,
Non, non, c'est la quatrième, non ? C'est la quatrième ? C'est la quatrième. Sans faute, sans faute, sans faute. Il défend, il défend. Ouais. Gagnez, gagnez, gagnez. Pour ça, parce que gagner à Longuet, c'est chiant. Franchement, franchement, ça fait longtemps qu'on l'attendait celle-là. On l'a. D'ailleurs, peut-être qu'on a, Franck, on a plus de bagnole. Et puis Matt, mais Longuet, bagnole, on l'a attendu longtemps. Donc bravo. Et puis maintenant, oh les gars, le reste c'est pour vous. Hein. Allez, allez, hein. Là, on a fait le taf. On va chercher la suite. À vous d'aller chercher la suite. Allez, allez. Attendez. Fait 3 fois 8 temps. 3 fois 8 temps au premier. Ouais, 3 fois 8 temps, c'est 3 premiers. Ah, c'est un R2 premier. Est-ce que le trajet où il fait popo là? Ah ouais, 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 ouais. Allez, tiens. Pop, 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 pop. Victoire, victoire, Suivez FTN Vlog, hein. Suivez FTN Vlog. Voilà. Là, ce que vous proposez, suivez FTN Vlog. J'ai eu peur de la première défaite en filmant, mais c'est impossible. C'est impossible de faire. C'est impossible de faire quand je suis là. On gagne au plaisir. On gagne au plaisir. Alors, décision. Ils ont rien à par contre, j'ai plus rien à voir. On a juste dit. Ouais, j'ai plus rien à On a juste dit qu'il faisait froid dans la salle. C'est pas paru dans le vlog. On a la. Parce qu'il est pas. J'ai oublié de faire la conclusion chez Samuel après la victoire contre Longuet. Et on se retrouve deux jours plus tard à la Turballe. À la Turballe. Pour le dernier épisode, la dernière conclusion de la série. Objectif R2. On est avec Thibaut Lucas, des mecs qu'on a suivi toute la série. J'ai tout regardé. De l'épisode 1 à l'épisode 8. Ah, j'ai et en plus, ils ont été là à tous les matchs, les deux. Et ils ont fait... C'est ça qui est énorme. Je sais pas si c'est pas tous les matchs. Ils ont fait une super fin de match contre Longuet. Parce que c'est eux qui ont provoqué les supporters. Ouais. C'est beau ? Non, c'est pas bon en plus. Non. Mais vas-y, on parlait pas de ça. C'est Sam, toi. Vas-y, on parlait pas de ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Le but, c'était de suivre au maximum de l'intérieur. C'était génial.
une équipe amateur qui jouait de montée. Amateur pour l'instant. Avec les caméras, c'était bien. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et l'objectif, il a été atteint. Plus que bien atteint, même. À dans septembre, pour objectif est et en plus, enfin, à dans septembre. Pas non, tout mais à fait. Non, parce que c'est la fin d'Objectif R2. Dites-nous si ça vous intéresse de suivre nos matchs de playoff. Ce sera plus Objectif R2. Mais. Oui, tout en franc. Ouais, mais quand même. On gagne pas s'il n'y a pas de caméra, mais Objectif titre R3. Référencement dans les commentaires, hashtag playoff. Hashtag playoff. Je sais pas comment on va l'appeler la série. Si vous avez des... On met en commentaire. Parce que peut-être que ce sera la série où il n'y a qu'un seul épisode parce que vous perdez en quart. En oui, mais ça se trouve à tout moment. On met en commentaire. Lucas a des gros bras. Pas grave. Je lance un hashtag. Vas-y, non, mets-toi. Vas-y, mets-toi, Pascal. Hashtag nono moins gros. Et on, ce sera le mot de la fin. Clap. Les gars, prenez soin de vous. Et de la on s'attrape vite. C'est pas fini. Il y aura des vidéos sur la fin de saison. Attends, j'ai chaud. Saison prochaine. J'ai chaud, il parle. Lucas, un dernier mot. un dernier mot avant de rendre. J'ai fait 100 000 vues sur TikTok. Ouais. C'est beau. Après un 2 heures contre un gay. Et bah merci à tous. Voilà. Ciao l'artiste. Ciao. Ciao. Mais moi je dis pas de mon fin. Tu veux faire de nos mots.